Pour progresser en style et performance, il est essentiel de bien travailler le take-off, le moment où vous vous levez sur la planche pour prendre une vague. Ce mouvement définit votre vitesse et le temps que vous aurez pour faire d'autres manœuvres. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à vous lever dans une vague. Avant de rentrer dans l'eau, entraînez-vous au mouvement de take-off avec la planche sur le sable. Une fois que vous maîtrisez bien le mouvement sur le sable, vous pouvez aller à l'eau vous entraîner. Tout d'abord dans les mousses, puis dans les vraies vagues. Il est essentiel de comprendre le take-off et le drop, descente de la vague, comme un seul et même mouvement. Il est très important de s'entraîner pour acquérir un mouvement rapide et fluide. C'est comme cela que vous allez pouvoir vous équilibrer sur la planche et maintenir votre vitesse sur la vague. Pour mieux comprendre ce mouvement, nous allons séparer le take-off en trois étapes. La flexion, l'impulsion et le moment où on se met debout sur la planche. Avant toute chose, positionnez-vous correctement sur la planche, bien équilibré, avec le corps bien aligné. Ramez de toutes vos forces pour suivre la vague. Quand vous sentez que votre planche commence à se faire emporter par la vague et que la vague va casser, mettez vos mains parallèlement à la hauteur de vos épaules, avec les paumes bien ouvertes. Ne vous accrochez jamais au bord avec les mains. Tendez les bras pour relever la tête et le torse au niveau des hanches, comme si vous faisiez une flexion. Continuez à regarder dans la direction où vous voulez aller, ne regardez pas la planche. Pliez alors les genoux et mettez la pointe de votre pied arrière sur le pad à l'arrière de la planche. Cela sera votre appui pour la prochaine étape. Avec des planches plus grandes, vous serez déjà en contact avec le pad de la pointe des pieds. Utilisez ensuite votre pied arrière pour propulser votre corps en l'air vers l'avant. En même temps, faites un quart de tour avec vos épaules et positionnez bien votre pied avant à l'endroit où se trouvaient vos mains. Vos mains vont naturellement se décoller de la planche et vos bras se relever avec le reste du corps. Pendant que vous diminuez la flexion de vos genoux pour vous relever, équilibrez-vous en relevant les bras au niveau des épaules, comme ceci. Gardez votre épaule la plus en avant sur la planche dans l'axe et votre regard dans la direction où vous voulez aller.